Aujourd'hui, on va chez Jean-Michel Bouchard, tailleur de pierre, à Fresnes-l'Aiguillon. Vivement qu'on arrive dans le nord, hein. Bien plat. Bien plat. Bonjour, Hervé. Bienvenue. Je vais vous faire faire une petite visite de nos ateliers. Ici, c'est le démarrage. Ce sont les blocs. Les blocs, ils arrivent de la carrière, donc des carrières de l'Oise. Donc on reçoit les blocs bruts comme ça. Et après, de ces blocs-là, nous, on va les recouper aux dimensions souhaitées. Et puis on va faire le débit, puis la taille. Je vais vous emmener voir ça. Ok. C'est la débiteuse. Donc on prend les gros blocs qu'on a vus tout à l'heure et on les passe là-dessus. On a un guidage laser et puis on coupe les cubes ou les morceaux en fonction de ce qu'on a besoin. Et après, ils vont dans l'atelier de taille qui est la réalité de notre métier en fait. Nous. Jean-Michel, vous êtes installé depuis combien d'années? Ça fait plus de 30 ans que je suis tailleur de pierre. Toujours heureux, je rentre dans l'atelier tous les matins en sifflotant, chantant. Un vrai bonheur. Comment on fait pour en arriver à des détails aussi importants sur un bloc? On dessine en grandeur réelle. Sur ce dessin, on fait des calques avec du calque épais, ça s'appelle des gabarits, comme en couture, comme un patron en couture, exactement la même chose. Et ça, on vient l'appliquer sur la pierre, on trace, et puis après, on taille suivant le tracé. Et donc, on fait des épanelages, on va chercher les premières parties, on va chercher ça. Après, on n'a plus que le bloc de ça, et après, on rentre dans l'ornementation, la sculpture. La main de l'homme, c'est le meilleur outil qui existe. La main, c'est que la continuation du cerveau. Nous, on redonne quelques centaines d'années en refaisant les parties qui sont altérées par le temps. Ça, c'est une partie de notre travail. Mais après, on fait aussi beaucoup de neuf. On fait des escaliers, on fait du mobilier urbain, on fait des cheminées, on fait de la salle de bain, de la cuisine. C'est possible que vous fassiez montrer un petit peu? Je vais vous montrer. Pour voir si vous savez bosser ou pas. Voilà. Je vais vous montrer, là, je suis en train de faire l'ornementation. Hop. Aujourd'hui, combien de temps pour faire une pièce comme ça? Une pièce comme ça, il faut 3 semaines à mois à peu près. Pour faire juste une pièce comme ça? Oui. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Jean-Michel, vous avez vraiment des mains en or. Merci. Aujourd'hui, on a retrouvé Michel-Ange. Il est là. C'est Jean-Michel Bouchard. 500 ans après, c'est lui. Il a des mains en or. Je m'appelle Jean-Michel Bouchard. Je suis tailleur de pierre dans l'Oise, à Fresnes-l'Aiguillon. J'en ai fait ma passion parce que c'est gravé dans la pierre et ça restera, ça passera les générations.